Salut tout le monde, on se retrouve dans ce nouveau tutoriel un peu rock'n'roll pour apprendre Creep de Radiohead. C'est donc un riff rock que l'on va apprendre sur son piano. Si vous voulez en apprendre 25 autres, il y a une formation que j'ai créée spécialement pour vous qui s'appelle 25 riffs rock au piano et vous apprendrez du Nirvana, du ZZ Top, du Led Zeppelin, etc., etc. Le lien est dans la description de la vidéo. Mais pour apprendre Radiohead, c'est ici que ça se passe. On va diviser ce tutoriel en trois parties avec les accords. On va avoir un hit rock en seulement 4 accords. Et ensuite, on va ajouter la rythmique pour pouvoir chanter chaque partie du refrain en piano-voix. Et on viendra ensuite ajouter les arpèges pour imiter la guitare. C'est quelque chose que vous pourrez utiliser pour faire l'introduction, les couplets ou pourquoi pas une petite partie solo. Si vous êtes content de retrouver ce tutoriel, likez la vidéo pour soutenir ma chaîne et abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être averti des prochains tutoriels qui vont sortir. On aura besoin de 4 accords pour jouer cette chanson. On va commencer par un accord de Sol. Sol, Si et Ré. Avec le doigté 1, 2, 4 ou 1, 3, 5, que l'on viendra enchaîner un accord de Si majeur, Fa dièse, Si et Ré dièse. Ensuite, un accord de Do majeur, Sol, Do, Mi, c'est un accord renversé. Et je descends mon petit doigt sur le Mi bémol pour avoir un accord de Do mineur. Nanana. What the hell I'm doing here? I don't belong. Maintenant qu'on connaît ces 4 accords, on va pouvoir utiliser des motifs issus de nos piano box pour pouvoir animer cette chanson. C'est du rock, donc on va avoir des choses très droites. On a 3 motifs qui s'offrent à nous. On va pouvoir jouer des noirs. Si par exemple je vous chante le refrain. Cause I'm a creep. I'm a widow. What the hell I'm doing here? I don't belong here. On pourrait aussi utiliser la rythmique 1-4-7. Encore un outil issu de la piano box numéro 1. On pourrait aussi utiliser des arpèges. Dans la troisième partie, on va apprendre le riff principal que vous pourrez utiliser sur les couplets et après, à vous de choisir dans l'un de ces 3 motifs, celui que vous pourrez utiliser pour chanter ou interpréter votre refrain. On passe maintenant aux arpèges qui vont faire le riff et l'introduction de ce morceau. On va se baser sur les 4 accords que l'on a appris, mais on va avoir pour chaque accord un motif d'arpège différent. Je vous le joue une fois et on décortique ça accord par accord. Thank you.
pour l'accord de sol, le premier accord, on va avoir un arpège sur notre accord, mais on va aussi venir chercher un ré plus grave. Ça nous donnera un accord de puissance. Et on va venir le couper en deux. On va l'arpéger déjà sur les trois premières notes. Donc ça fera la basse, ré, sol, ré. Et ensuite, sol, si, sol, ré. En croche, 1 et 2 et 3 et 4 et. Et ensuite, je vais me décaler, reprendre l'accord, la position d'accord que l'on a vue, sol, si, ré. Et je vais arpéger, ré, si, sol, ré, sol. Pendant la petite pause, je vais répéter la basse. 1 et 2 et 3 et 4 et. Ensuite, on va aller sur un si. Donc première position, on a la basse, et ensuite on va arpéger fa dièse, ré dièse si, je recommence une autre fois, fa dièse, ré dièse si, et je termine la mesure sur un fa dièse. 1 et 2 et 3 et 4 et. Sur la deuxième mesure, je vais aller chercher un mi, ensuite si et fa dièse, et ré dièse. Il me reste 4 notes, je répète la basse et je répète fa dièse, ré dièse, si. Pour le do, ça va être un petit peu similaire. On va avoir la basse, sol, mi, sol. Ensuite do, mi, do, sol. On va chercher ensuite un fa, un do, un sol et un mi. Je rejoue la basse et sol, mi, do. Depuis le début au ralenti? Et il nous reste un dernier accord. Cette fois-ci, on répétera le même motif sur les deux mesures. C'est un accord de Do mineur. On va jouer la basse et on va descendre l'accord Mi bémol, Do, Sol, Mi bémol, Do, Sol, Do. Et ce sera tout pour jouer cet arpège. Je vous le joue une fois au métronome, ensuite je finirai par enchaîner l'intro en arpège plus un refrain avec les accords en noir et ce sera à vous de jouer sur votre piano. N'oubliez pas de télécharger la formation 25 Riff Rock si vous voulez continuer à en apprendre sur votre piano et abonnez-vous pour retrouver le prochain tutoriel que je vais mettre en ligne spécialement pour vous. 3, 4.